et Avignon, je suis sûre que vous allez tout déchirer. Ouais. Franchement, moi, ça me fait super plaisir et j'arrive pas vraiment à réaliser qu'on va vraiment le faire. J'ai appris à avoir plus confiance en moi, à être sur scène devant tout le monde et j'ai également découvert que je pouvais faire du théâtre alors que je pensais que j'en étais incapable. Ok, interdiction de bouger. Mes amis, empêchez-les de sortir tant qu'ils ne nous présentent pas cet ami. Allez, ce que vous allez faire, c'est le premier vous allez faire la même chose, mais vous donnez des coups. Mais il faut court, hein. Genre, là, bah, c'est quand tu fais aïe, et là, pas aïe. Tu vois, Pourquoi tu n'es pas victime et non plus anonyme. Et vous arrivez là, sans le sol. Vous êtes tous et toutes capables de chanter comme Loïc Noté ou comme Beyoncé. Toutes et tous. D'accord ? Faut juste savoir comment faire. Sainte Thérèse, Audrey. Chante sans de pique-nique et stop cette mécanique. Ajoute-moi la vie, je suis là, don't worry. Avignon, c'est extrêmement dur et il va falloir que vous sortiez tout ce que vous avez pour ça. Vous avez tous beaucoup de talent et il faut juste maintenant que ça, la fleur elle éclose. Ouais, ouais. Ça va être difficile, ça va être fatigant, il y aura beaucoup de choses à gérer, les costumes à rajouter, les lumières, le stress, donc vraiment continuez à rester concentré là-dessus, continuez à bosser. Je sais que vous allez réussir à garder tout ça et que ça va être super au mois de juillet. Bah, à chaque fois quand j'étais petite, quand on allait au Festival d'Avignon, c'était « waouh, c'est trop bien, ils jouent trop bien, je veux trop le faire ». Et me dire que oui, je vais aller au Festival d'Avignon avec toute une bande de potes, on va faire quelque chose qu'on a bossé pendant une semaine, c'est un truc de fou, j'arrive pas encore à me dire que pendant 4 jours on va jouer au Festival d'Avignon. Du chant, de la danse et du théâtre, et ça retrace la vie du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus à travers plusieurs scènes comiques ou de notre vie actuelle. Du coup c'est sa vie mais sous un point de vue inhabituel et c'est très intéressant à faire. C'est ouf cette expérience quand même parce que on est 5 jours qu'entre nous, qu'entre jeunes de la troupe et il y a forcément une bonne ambiance qui s'installe parce qu'on aime tous les mêmes choses, on est tous là pour la même chose. Alors du coup c'est vraiment une très belle expérience à vivre. Ah, je sais pas, c'est juste un truc de ouf quoi. C'est un truc de dingue, il faut vraiment vivre quoi. Faut être là.